Bonjour Frère Maxime, comment nous? C'est GFL Cuisine Créole, Jean-Fédolin dit. Votre chef à la maison qui rentre la caille, moi dis nous merci. Merci pour confiance, nous merci pour fidélité, nous merci pour bouche à l'oreille, nous continuons à faire pour moi. Je dis à la petite excité parce que je vais montrer nous, je vais faire une crémasse avec nous là, tout à fait révolutionnaire. Hein? Mais crémasse, je vais faire pour nous là, une crémasse d'épinard. Bien sûr que ça pour qu'on habitue avec nous, pour aller penser ça bizarre. Mais ça qui habitué avec nous, nous continuons à faire confiance, nous allons c'est très bon. Pour me faire crémasse d'épinard là pour nous, moi besoin 50 g d'épinard. Épinard frais. Moi besoin 2 tasses de noix de coco. Moi tout mettre 2 tasses de noix de coco dans le blender. Sous vlog, on va gracher le tout. Mais même si vous gracher, on a besoin de blender épinard là. Moi même, moi tout blender là avec. Moi mettre épinard là là-dedans. Et moi mettre 2 tasses de lait. Moi tout mettre là-dedans qu'on a pour moi grager pour moi passer li ensemble dans blender. Qu'on a là, moi va le grager. C'est prêt? Qu'on a nous va le. OK, qu'on a mené. C'est épinard là avec lait là avec coco ya qui là, d'accord? La vidéo de la passoire qu'on a, moi tout prend Marisa, m'a nettoyé bol. Je prends tout ça, je vais nettoyer les, qu'on a là, je vais venir avec. Je vais juste retirer jus qui l'a passoire ça. Pas oublier partager vidéo. Qu'on a même arrivé dans la deuxième partie hein, qui est épinard là, coco ya et puis lait là. Qu'on a là, moi mettez une tasse de sucre dans la recette m'a fait. M'a écrit la recette là en bas vidéo pour nous. Qu'on a m'a brassé les pour faire bien fond. Lorsque moi réalise le sucre, moi vient bien fond. Moi mettons une petite cuillère de zeste de citron là-dedans. Vraiment une petite cuillère là, pour de vrai. Et moi mettez 2 tasses de lait condensé. Mais moi venir avec un rhum babanco. Un rhum babanco de 5 étoiles. Ou bien on mettre 2 tasses d'alcool, 2 tasses de rhum ou bien clérénazon, moi même mettre seulement une tasse et demi, d'accord? Moi vider tasse et demi rhum babanco là-dedans. On va réaliser avant que moi couler li dans chinois itamine, moi mettre tout ingrédient là-dedans parce que épinard là il est très délicat. Plus au fin mettre liquide là-dedans, après on sait des petits bouts pour le sortir. Quand là lorsqu'on mettre rhum là-dedans pendant que on brasser là comme ça. Même le plus petit paille qui rete là-dedans, on regarde là, on commence à voir paille vraiment. Alors que tu as pas de paille, on a le maximum, tout paille qui vient monter à la surface, qu'on a l'eau passé dans le chinois et terminant, pas bien rien capable de rester là-dedans comme paille d'épinard. Moi, mettez pour ça, ma faire, pour quantité ça, mettez un quart de tasse de citron là-dedans, le jus de citron. Wow. Il déjà prend forme là déjà. Qu'on y a là, moi mettez 3 cuillères d'essence vanille. Mais c'est vanille pure que mettez. Sous gain essence vanille blanc là, la bon tout. Wow. Là c'est parfait là. Nous avons senti j'en dis en bas même là déjà, c'est déjà parfait là, OK? Et voilà. Qu'on y a là, on quitte le faire en 5 à 10 minutes. Sans qu'il ne pas brasser le dit tout pour me quitter l'alcool là, agir là-dedans avant qu'il mal passe le chinois et termine. Parce que pendant l'alcool là, voilà, agir, on va le monter en série de l'autre de type paille. Me quitter un bon 15 minutes passé sous lui sans pas brasser. Normalement, ouais, tout ça aussi, petit bourgeon épinard et puis qu'on y a là, on va passer le chinois et termine. Chinois et termine, c'est lui-même qui t'a censé tuile là. Pendant que je passe le chinois et termine, moi pas brasser là, c'est très important pour pas brasser là.
fait pas fait là. Nan ki ça m'va le faire, m'va le juste secouer li m'aider pour couler et puis c'est tout. Te dit clairement moi salue au moins dire merci hein. Valentin Angel, moi dire merci. Marie MC, merci. Marie Matsuli et Régine Toussaint, moi salue nous, moi dis nous merci. Cinq moun sa m'sout salue là, c'est cinq super membres de JFL Cuisine Créole. Si toutefois ça intéresse ou ouvrez abonner sous chaîne là pour 2,99$ par mois ou bien 3,99$. Ou après un petit côté en bas écran qui marque adhérer, ou après peser sous lui et pour après faire un petit abonnement. Et puis voilà, comme ça on va encourager. Ça c'est invention JFL Cuisine Créole hein. N'a regardé en dedans là, toute secrétaire là, c'est bagaille pour me jeter. Qu'on est là, une fois qu'elle m'arrive là, qu'on a ça c'est la perfection totale. Waouh. Oh my god. M'a venu m'va le vider et puis qu'on a pour nous. Nani, mais bon bagaille là. Crémence d'épinard. Qu'on y a là, nous pourrons goûter ensemble hein. Nous n'a vidé li, ça c'est li m'était en fait déjà. Qu'on a m'a venir avec un petit parti pour nous ouais. Regarde-moi, regardez comment va le couler. C'est très important ça pour regarder comment la sortir dans bouteille là. C'est parfait. C'est pas trop épais, c'est pas trop liquide non plus, c'est parfait. Ça c'est JFL Cuisine Créole qui sont nous là. Ou même qu'a regarder pour la première fois ou qu'a abonné, juste abonné, on goûter. Il pas trop dosé avec beaucoup de sucre. C'est parfait. Moi j'étais d'autre encore m'a venir avec aux légumes là encore. Moi j'étais d'autre qu'a venir encore dans le mois de décembre là, me commencer par épinards avec nous. C'est vraiment très très bon, c'est même excellent. Il y a pas gagne pas là-dedans, c'est parfait. Pas oublier partager vidéo hein, c'est une crémasse d'épinards. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédon lundi. Votre chef à la maison qui est là, nous merci, au revoir.